Merci, good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, Tatiana, notre traductrice, ravie de vous retrouver. Bonsoir, Angela, qui va remettre les beaux trophées, nouveaux trophées. Cette année, bienvenue donc pour cette cérémonie de clôture de palmarès de la 32e édition du DINAR, Festival du film britannique. Alors hier, en regardant les deux films de la réalisatrice anglaise Joanna Hogg, à laquelle DINAR a rendu d'ailleurs un bel hommage, c'est-à-dire avec l'intégrale de son œuvre, en regardant donc les deux parties de The Souvenir, au-delà de la beauté de ces films, quelque chose m'a marqué. C'est qu'ils décrivent avec justesse, je trouve, la naissance du désir de cinéma chez une cinéaste. Une des plus belles choses qui soient. Et je crois que c'est ce désir, ces désirs de cinéma qui nous réunissent toutes et tous aujourd'hui. Un désir universel que le désir de cinéma qui se moque des Covid et autres Brexit. So yesterday, after watching two movies from the British director Joanna Hogg, and with her particular homage this year in this edition, and after watching both parts of The Souvenir, beyond the beauty of those two movies, something just got my attention. It's that it described with such elegant and the rise of cinema desire. One of the most beautiful things ever. And I think it's this particular desire that brings us together today, a universal desire for cinema, for films, that doesn't really care about COVID and any Brexit issues. Et je voulais donc remercier nos amis britanniques, qu'ils soient cinéastes, actrices, acteurs, productrices, producteurs, de nous avoir apporté leur si beau désir de cinéma. Merci de les applaudir. Et je me suis baladé. C'est magnifique, DINAR, même sous la pluie. Et quand on prend le petit chemin côtier vers Saint-Lunaire, on tombe à un moment donné sur la grotte de la Goule aux Fées, creusée au bord de l'eau. Et c'est dans cette grotte que deux frères, les frères Lumière, il y a plus de 140 ans, ont développé leur première photo couleur, 20 ans avant d'inventer le cinéma. La naissance du désir de cinéma, on la doit donc peut-être aux Fées de DINAR. Alors je vous propose d'applaudir maintenant nos Fées actuelles, l'équipe de la municipalité de DINAR et l'ensemble des bénévoles qui font vivre ce festival, et merci d'accueillir très chaleureusement le maire de DINAR, monsieur Arnaud Salmon, et son adjoint à la culture, Vincent Rémy. Alors, des courts-métrages qui viennent d'un seul pays, hein, le Royaume-Uni, mais de quatre nations, on le rappelle, Écosse, Irlande, Pays de Galles, Angleterre, multiples histoires. Et pour remettre ce prix, j'appelle quelqu'un dont le nom est Bond. Prano Bailey Bond, la réalisatrice de Sansor, et qui va me rejoindre tout de suite sur scène. Merci de l'applaudir. Bonsoir Prano. Welcome. Thank you. It's an honour to be presenting this award, and it's an honour to be here in DINAR. It's my first time here, and it's such a beautiful place. I want to say thank you so much to Dominique, Pierre, Jeremy, Cedric, Pascal, and everybody in the team here at the festival for your hospitality and for looking after us so well. Shall I pause? C'est un honneur pour moi d'être ici, d'avoir l'occasion de remettre ce prix. C'est la première fois que je suis de visite à DINAR, et cette ville qui m'enchante, qui est magnifique. Donc je remercie tout le monde, Dominique Green, Jérémy, Pascal, toute l'équipe. I think from the UK, when we look over at France, we have starry eyes for the respect that you pay to cinema. So it's really wonderful that you celebrate British film, and it's an honour. C'est un honneur d'être en France, un pays qui apporte et qui démontre autant de respect pour le cinéma. Donc c'est un honneur de voir notre cinéma, le britannique, ici, à DINAR.
And it's also wonderful to see how many female directors are at the festival this year. Je suis ravie de voir autant de personnes ici présentes à cette édition. So without further ado, I'm going to present the award for the audience, the public prize for the short film. Le prix du public pour un court-métrage. And the winner is... Le gagnant, la gagnante. Bound by Joe Carter. Bound! Joe Carter! Alors, ne pas confondre Bond et Bound. C'est pas exactement la même chose. Alors, Joe Carter n'est pas avec nous. Je vais appeler Christophe Mercier qui a co-réalisé cette sélection aux côtés de Dominique Green, cette sélection de court-métrage. Elle vient de rejoindre sur scène. Christophe, merci d'être avec nous. Voilà, merci de l'applaudir. Christophe Mercier, donc, qui a co-costé avec Dominique et la sélection des court-métrages. Ça vous va comme prix, Christophe? Ça va marcher. Comment? Ouais. Oui, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est fabuleux puisque Bound fait partie de cette sélection de courts-métrages que nous avons mis en place avec Dominique Green pour les Quatre Nations. Ce court-métrage vient d'Écosse. Et en l'occurrence, on a travaillé avec le Festival international du film d'Édimbourg, qui est revenu au mois d'août, très proche de Dinard. Et c'est une collaboration sous forme de jumelage. Les films ont été présentés, la même sélection, à Édimbourg le mois dernier, et est arrivé ici en France pour montrer qu'il y a une merveilleuse programmation et production de films en Royaume-Uni que l'on peut exporter aujourd'hui encore. C'est maintenant au long métrage. Et je rappelle les six films qui étaient en compétition cette année pour le Hitchcock d'Or et les autres prix. Il y avait donc Creation Stories de Nick Moran, Limbo de Ben Sharrock, Whitefire de Cathy Brady, Ride the Wave de Martin Robertson, The Power de Corinna Faith et Sweetheart de Marley Morrison. Et alors, la particularité de cette année, vous l'avez remarqué, c'est qu'il y avait six sections différentes, avec six thématiques différentes, et chacun des films faisait partie d'une des différentes sections. Et j'aimerais saluer les marraines, les parrains de ces différentes sections. Alors, pour le Dinard Rock de Casbah, l'écrivain, journaliste Mishka Asayas, merci de les applaudir. Pour Iris Eisen Dinard, la marraine, c'est la productrice Céline Haddad. It's Still Spirit, c'est Steven Woody, le producteur, bien sûr. Pour Landency, Nicolas Hulot. Pour To Be or Not To Be, Elisabeth Carlsen, la productrice. Et pour Quelle Horreur, le journaliste Cédric de les. Alors, on va commencer par remettre les prix qui concernent les longs métrages avec le prix du public. Et j'ai le plaisir d'accueillir à Dinard une nouvelle fois la comédienne Sophie Duez. Sophie. Sophie Duez, donc, pour le prix du public du long métrage. Bonsoir, Sophie. Oui, une nouvelle fois, parce qu'effectivement, j'avais eu le plaisir d'être ici en 2014, membre du jury sous la présidence de la merveilleuse Catherine Deneuve. Et j'étais heureuse d'être là cette fois-ci dans le public. C'est pour ça que ce prix du public me plaît de le remettre. Même si on est toujours public, même lorsqu'on est dans le jury, il y a toujours un moment donné où on est face à l'œuvre et où on est comme ça dans ce rapport-là. Le prix du public, la différence peut-être avec quand on est dans le jury, c'est que les personnes qui votent ne se rencontrent pas, ne délibèrent pas entre elles. Donc le moment où on remet le prix, c'est aussi une surprise pour tous les gens qui ont eu la gentillesse, la ferveur, la passion de voter, de voir s'ils s'accordent avec un grand nombre. It's not the first time I'm here. Actually, I came here in 2013 as a jury member under the presidency of Catherine Deneuve. And this time I'm quite happy to be in the audience and to watch the films differently. But in any case, as a jury member or in the audience, you always watch and discover a movie, a film. The only difference is in a public prize. When you vote, you don't have to debate with anyone.
but you put your passion and pleasure for cinema in the whole process. Alors si la culture c'est bien l'art de la rencontre, on doit dire que peut-être plutôt parler depuis quelque temps, enfin avec les années que nous venons de vivre, les mois, plus d'un défi, d'un challenge, d'une créativité encore plus importante de réussir à se rencontrer, puisqu'on a quand même été très séparés les uns des autres. C'est donc assez émouvant de pouvoir parler d'un prix qui va souligner le désir collectif. So it's quite a challenge this year to support creativity, but most important to be together again after being separated for many, many, many months. And it's quite moving for me tonight to talk about this collective prize. Avant de lancer le nom de l'heureux élu, je voulais donc juste souligner à quel point il y a du courage pour une collectivité territoriale, pour un territoire entier, pour toute une population, de maintenir vivant des festivals comme celui-ci. Donc bravo, merci, parce que là, c'est la possibilité de nous retrouver. Et une fois de plus, actuellement, c'est quand même quelque chose qui demande un engagement profond. I'd like to thank the mayor and the whole administration and to underline the importance of supporting culture and such events. Donc c'est avec joie que je vais donner le nom du film qui a donc été élu par le public pour ce grand prix. Limbo. Limbo de Ben Sharon. Alors, Ben Sharon n'est pas là, mais son producteur, si vous étiez là à l'ouverture, vous l'avez vu, Angus Lamont, est avec nous. Welcome back, Angus. I say thanks, obviously. Ben Sharrock, the writer-director, and the other producer, Aruni Gurtubai, unfortunately can't be here. They are expecting the birth of their first child any day now. Otherwise, they would be here and they would be really enjoying this. They are both filmmakers with a strong European identity, and events like Dinan Film Festival are a very important part of how they see their careers and how they see communication. Je tiens à remercier tout le monde pour ce prix et je voudrais faire part de la déception de Ben, le réalisateur, de ne pas pouvoir être présent. Il aurait adoré tous ces événements, ces journées et surtout l'idée de voir une identité européenne présente ici à Dinard, un festival qui lui tient à cœur. So I'd just like to repeat what has already been said. Thanks to Dominique, thanks to the town, thanks to the public, the spectators who have come. It's a privilege to be here. I've been coming here for 25 years myself. It's one of my favourite festivals. So it's great to come and also get an award. Je tiens à remercier Dominique, le public. J'étais déjà venu il y a 25 ans. Et je tiens à vous dire que ce festival est de grand mon préféré. Surtout d'avoir donné le prix. Bravo, Angus. Bravo. Et de tous les deux, merci, Sophie, pour une photo. Au prix de notre grand jury, et j'appelle notre présidente, Bérénice Béjot, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir, Bérénice. Je me mets au milieu, là ? Très bien. Ok. Bon, alors, j'ai... mes enfants qui sont là, mon mari qui est là. Ils sont là. Arrêtez les enfants. Donc j'ai préparé un petit discours parce que c'est la première fois que je fais ça quand même. Enfin pas des discours, mais quand même, être présidente c'est quelque chose. Je suis désolée, c'est un peu sale. Je vous montre un peu comme ça, c'est un peu brouillon, mais je devrais m'en sortir. Alors, déjà au nom de tous les membres de mon jury, je voulais vous dire, vous voulez traduire ce que je viens de dire ou pas? Allez-y.
Parce que c'était drôle, donc allez. I'm supposed to be funny. So it was very funny. Yeah, absolutely. It's quite exciting today to be here, and it's for me the first time as a president. My husband is here, my children are here, and I've written a speech which is quite new for me, even though you can see it's quite messy and dirty, but I'll make it. Thank you. Alors, donc, je voulais vous dire, au nom de tous les membres de mon jury, à quel point nous avons été heureux de passer ces quelques jours à Dinard. Merci à la ville, aux partenaires du festival, aux bénévoles, aux journalistes, et surtout à ce cher public de nous avoir si bien accueillis. Je voudrais aussi, personnellement, remercier Sylvie Potrel pour nous avoir guidés et choyés tout au long du séjour. Parce qu'elle nous a vraiment... Voilà, elle a été parfaite. The jury and all the members of the jury were really happy to spend those days here. And thank you for the city, the administration, the volunteer, the festival team, the journalists, and above all the public. And I'd like us to express my gratitude to Sylvie Potrel, who was really, really caring with us the whole time. Alors nous avons très bien mangé, nous avons vraiment beaucoup bu et nous avons aussi bien dormi. D'ailleurs, une membre du jury, dont je tairai encore le nom, essaye de négocier pour repartir avec le lit de l'hôtel Barrière. Le directeur va arrêter bientôt. So I'd like just to give some idea that the food was absolutely incredible. We had lots of drinkings, and we slept so well and so much. And I won't say and precise any names, but one of the members of the jury would like to take one of the beds from the hotel, the Barrière Hotel. Mais et surtout, nous avons beaucoup discuté de cinéma, et j'en profite aussi pour remercier Dominique Green qui a fait une sélection très riche. Alors, on a vu beaucoup de choses très différentes. On n'était pas toujours d'accord. Et on n'a pas tous aimé les mêmes films. Mais on a partagé, discuté, on s'est exprimé. On a écouté les uns, on s'est écouté les uns les autres. On a rêvé de cinéma. On était heureux d'être là. Et on... Allez-y. We had lots of discussion and debate, and I'd like to thank Dominique for the rich selection she offered this year. We didn't agree all the time. We had different opinions, we loved different movies, but we've listened to each other, we had dreams, and we felt happiness. On était là heureux de parler cinéma et heureux de pouvoir s'exprimer nos sentiments, parfois à l'opposé des sentiments des autres. Et je crois pouvoir dire que la délibération a été joyeuse et que tous les membres du jury sont très heureux du palmarès. Et pour ça, je voulais vous remercier tous les partenaires de mon jury, enfin tous les membres de mon jury, parce que ça a été très agréable. I was really delighted to be able to express myself and that everybody could express their own different opinions. It was at the end, a joyful debate, and I'd like to thank all the members of the jury for this joy, this shared joy. Eh bien, il ne me reste plus qu'à les appeler sur scène. Alors, j'appelle Jean Desforêts. Le producteur Jean Desforêts. Elie Aydara. Finnegan Oldfield. Le comédien Finnegan Oldfield. Salut Finnegan. Laura Smet. La comédienne réalisatrice Laura Smet. Bonsoir Laura.
Paul Webster. Le producteur. Paul Webster. Et enfin, Mohamed Hamidi. Le réalisateur et scénariste, Mohamed Hamidi. Bienvenue Mohamed. Alors, on va commencer par le prix d'interprétation, chère présidente. Alors, c'est vous, c'est moi, c'est comment on n'a pas répété, hein. On en a un pro total. Oui, c'est bien comme ça. Bérénice, c'est vous qui allez annoncer le lauréat, en sachant qu'il n'y a pas de partenaire particulier pour ce prix. D'accord. Donc je vous laisse annoncer le ou la lauréate. Alors, j'ai fait ma petite préparation à l'envers, j'ai commencé par donner le nom, alors qu'il faut que je le dise à la fin, donc j'espère que ce sera français ce que je vais faire. Pour leur extraordinaire performance, leur force, leur énergie et aussi leur folie, nous avons été bouleversés pendant un long moment après la projection du film, et pour ces raisons-là, le prix d'interprétation va au binôme d'actrices Nora Jane Noon et Nika McGeegan dans le film Wildfire de Kathy Brady. Nora Jane Noon et la regrettée Nika McGeegan pour Wildfire de Kathy Brady. Je crois que Kathy est dans la salle. Elle est là, Kathy. Alors, merci de l'applaudir très, très chaleureusement. Kathy Brady, la réalisatrice. Pour remettre le prix à Cathy, j'appelle Laura Smet et Mohamed Hamidi. You have two. On peut peut-être les tenir pendant que... Voilà. My God. Nika. I'm so, so proud of you. Nora Jane, I'm so, so proud of you. And I am so honored that you have selected both these actors. Because the journey these two actors went on together was remarkable. Je voudrais remercier la regrettée Nika McGeegan et Nora Jane. Je voudrais remercier tout le jury pour l'honneur qu'ils attribuent au voyage de ces deux actrices. It was a 7-year journey from idea to screen. Le voyage qui a commencé en partant de l'idée de départ jusqu'à la première projection a duré 7 ans. I cast it before I even knew what the story was. The reason being is when you meet these actors, their heart, their passion, their fury was contagious. J'ai occupé du casting bien avant de m'occuper de l'histoire, et tout simplement parce qu'au moment de leur rencontre, j'ai été frappée par leur force, leur passion et leur amour. So we began with energy first, and what kind of story we wanted to tell, and it was ferocious. Fierce women at the heart of it. And I think what these two actresses have done is incredibly unique. They have given 5 years of their life to creating these characters. Ces deux actrices ont donné 5 ans de leur vie pour nourrir ces personnages et pour donner vie à cette histoire, une histoire féroce et une énergie dingue. Sadly, during post-production, Nika passed away. She had a very fast illness, and it took her life within 5 weeks. Malheureusement, au moment de la post-production, la comédienne Nika McGeegan est décédée après une maladie fulgurante en 5 semaines. To finish this film without her has taken every ounce of energy. But when you see how remarkable they are, I would have gone through fire for them. En regardant le film, on constate toute l'énergie qu'elles ont mise dans cette histoire, dans cette aventure, et finir ce film avec ces événements était particulièrement difficile, et j'ai dû chercher toute l'énergie qui restait en moi.
So thank you from the bottom of my heart. I am so proud as a director. This has been a silver lining. So thank you. On continue avec les prix du jury, cher président, avec le prix spécial Barrière. Et pour le remettre, j'appelle notre partenaire. Alors, on parlait d'un lit tout à l'heure, ça peut se négocier maintenant. Thomas Linard, Thomas Lisnard, directeur du Grand Hôtel Barrière. Merci de nous rejoindre, Thomas Lisnard. Bonsoir, Thomas. Bienvenue. Bonsoir, le jury. Les liens du groupe Barrière avec le cinéma ne sont plus un secret pour personne. C'est une véritable histoire d'amour. Et en tant que nouveau directeur du Grand Hôtel, j'ai été ravi de vous y accueillir cette année pour y faire honneur. Les Césars, le Festival de Cannes, de Deauville et bien sûr d'Ina. Nous avons tant de valeurs en commun, l'envie de divertir et faire rêver, le glamour, la magie, mais aussi tout ce qui se cache derrière, la rigueur et le travail. C'est pour ces raisons que je suis très fier, au nom de mon président, M. Dominique de Seigne, de remettre ce prix spécial. Merci, merci Thomas. Between Grand Hotel and cinema is a love story, a famous love story, and a historical one. As a new director of the Grand Hotel, I have the honor to I had many honors to be present at Cannes Festival, César, Deauville Festival, and now Dinard. We share lots of values like entertainment, glamour, magic, but also work and seriousness. And I'm honored to give this prize. Madame la Présidente. Alors, attendez, parce que je l'ai écrite à l'envers. Alors, ce film qui est magnifiquement réalisé par une réalisatrice qui a su entourer son actrice principale d'une troupe d'acteurs absolument incroyable, nous a fait sortir de nombreux mouchoirs de nos poches pour son sujet, pour sa force, pour son... Je crois que c'est son premier film, non ? Je ne me trompe pas ? Oui. Eh bien, nous avons voulu donner le prix donc, du jury Barrière au film Sweetheart, réalisé par Marley Morrison. Sweetheart, prix spécial donc, de Barrière. Je vais comprendre une proposition de cinéma particulière, un film de Marley Morrison, qui n'est pas là. Alors, je vais appeler le parrain de la section The Producer, Stephen Woolley, producteur légendaire anglais, merci de l'applaudir, il est là avec nous, parrain de la section It's Teen Spirit. Steven, maybe a mic for you. Just want to say very quickly, I have nothing to do with the film whatsoever. This was in the section that I was a godfather for. That's okay? I had nothing to do with the film. Other than I love c'est le prix. C'est le parrain de la section, hein, non, simplement. Non, je l'ai absolument lavé parce que je n'ai absolument rien à voir avec ce film, mais je suis le parrain de la section. Well, yeah. I will make sure that Marley, who is the director, gets the award alongside a wonderful cast led by Mel Barlow. Je voudrais surtout partager ce prix avec la réalisatrice qui n'est pas présente aujourd'hui. Voilà. It's a beautifully directed film and it's very moving. It's also very funny and fully deserves the award. And thank you to the jury. Donc c'est un film qui est particulièrement émouvant et drôle. Et je tiens à remercier le jury. Yeah, we've been coming here myself and my producing partner Elizabeth since the beginning, since 1990, and we won the prize here in 92 with The Crying Game. Donc, moi et mon équipe, nous venons ici depuis le début, depuis les années 90, et nous avons gagné notamment un prix en 92. Avec le Crying Game. And we are so happy to see Dominique Green and her team kick off Dinar again because it's one of our favorite festivals. Nous sommes particulièrement fiers que Dominique Green prenne la présidence, la direction artistique de ce festival, qui est un de nos festivals préférés.
Yeah, and so congratulations again to Mami and Mel and to the jury and to Dina. And we want to be back here next year with our movies. Thank you. Tout se terminé, c'est le dernier prix, là, c'est le grand prix, Madame la Présidente, c'est le Hitchcock d'or à Ciné+. Alors pour remettre ce Hitchcock d'or Ciné+, j'appelle la directrice des chaînes Ciné+, Premier, Frisson, Émotion, Madame Myriam Hassen. Merci de nous rejoindre sur scène, de vous rejoindre sur scène, Myriam. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Juste pour vous dire, déjà que Ciné+ est très très heureuse de retrouver le festival de Dinard, d'être partenaire officiel, toujours de ce beau festival. On aime le cinéma anglais, British, sur Ciné+, il est toujours présent, du cinéma d'auteur aux grands auteurs, à la comédie, au cinéma de genre. Tous les cinémas sont représentés sur nos chaînes. On achète les films, on les préachète aussi sur le scénario. Voilà, et puis pour l'occasion du festival, on a réactivé notre chaîne éphémère Ciné+ British. Et vous pouvez voir tous les films et notamment une collection Kalinich. Voilà, sinon sur le prix, ben on est évidemment très fiers d'être partenaire du Hitchcock d'or. Et donc le film sera doté d'une campagne de promotion sur nos antennes au moment de la sortie en salle, on l'espère, du film. Et on espère qu'il participe au rayonnement du film à cette occasion. Voilà. Merci Myriam. Tatiana. So the channel and the group of Ciné+ is really happy to be back here in Dinard and to be a partner of this festival. We really love British cinema, the independent cinema, comedy, horror, all time, all kinds of cinemas. And on this occasion, we've reopened short time cine channel for British movies. Just British. And we're particularly proud to give this award and to offer a promoting campaign. So hoping to see the movie on screen and hoping it will help to spread the brilliant work on it. Merci. Alors, Madame la Présidente, c'est le moment du Hitchcock d'or Ciné+. Alors, ce film raconte l'histoire d'immigrés isolés sur une île écossaise. Ce film nous a bouleversés, questionnés, et aussi, et là est la force du cinéma britannique, et aussi beaucoup fait rire. Pour la maîtrise de sa narration, de sa réalisation, de la direction d'acteurs qui est incroyable, la force du thème et son actualité, tous les membres du jury et moi-même avons pensé que ce film méritait le grand prix. Il s'agit, je pense que vous l'avez compris, de Limbo de Ben Sharrock. Limbo. Hitchcock d'or Ciné+ donc pour Limbo de Ben Sharrock, représenté par son producteur Angus Lamont. Deuxième prix, le prix du jury et le prix du public, on le rappelle. Super soirée pour Angus. Il était là pour l'ouverture, ça a dû lui porter chance. Did anyone see the film Censor? Who's on? The festival. Yes. En l'occurrence, il voulait surtout parler du film Censor. Oui, le festival. They put one of these to quite unusual use in that film. So I think I'm going to keep that away from Neva Hogan. Ces deux films sont assez inusuels, mais au vu de la thématique du film Censor, je risque de m'éloigner un petit peu de sa réalisatrice. Thanks again, and just I know that Ben and Aruni will be absolutely delighted to get both of these awards, and particularly this one. He spent a lot of time researching and working on the project, and they put everything into it. So it's great that it's been recognised. I'd also like to say thanks to the BFI in London, Creative Scotland, and Film 4. Who paid for the film. Always important to thank them. And also congratulations to all the films in competition. I thought they were all really brilliant.
So, you know, for whatever reason, the fantastic jury here of very intelligent people decided on this one, but I think any of them would be worthy winners. Ben, le réalisateur, sera particulièrement heureux de recevoir ce prix, ce second prix, après tout le travail et l'engagement qu'il y a mis, de nombreuses recherches. Je tiens à remercier le festival, le BFI, tous les producteurs, les financiers, évidemment. Je tiens à remercier les autres films en compétition, et notamment ce jury particulièrement fantastique et intelligent d'avoir choisi ce film. And just to echo Stephen Worley's words, this is such a great festival. We hope to be back next year and for many years to come. And you know, long live Dinard. Et tout comme le producteur Stephen Worley, j'ai hâte de pouvoir revenir l'année prochaine. Tous ensemble. Et vive le festival. Longue vie à Dinard, longue vie à vous, Angus. Venez vous installer là pour la photo. Entouré de Myriam.